Donc on va voir comment attaquer hein, du web, éventuellement du WPA, WPA2, mais il faut comprendre et maîtriser Aircrack. Aircrack NG, c'est plus que un programme, c'est toute une panoplie. Hein. Au sein d'Aircrack, on a aussi Airplay, Airdump, Airmon. Donc ça permet de faire des tests d'audit de sécurité sur le Wi-Fi. Donc on peut détecter, sniffer les paquets, craquer le web, analyser toutes les trames qui passent par la norme IEEE 802.11 au niveau d'un réseau local. Et le but, ça va être de monitorer, d'attaquer, de tester, de craquer tout ce qui concerne le Wi-Fi. Vous l'avez compris. Donc le monitoring, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être la capture de paquets, exporter les données hein, dans des fichiers texte qui va nous permettre d'être réutilisés après dans des outils tiers. L'attaque peut se faire via ce qu'on appelle des replay attaques, de la désauthentification, hein, qu'on appelle DAuth dans le jargon, faire des attaques Evil Twin, hein, c'est-à-dire l'attaque des sœurs jumelles, faire un fake API, API Access Point, point d'accès Wi-Fi, vous l'avez compris, ou faire de l'injection de paquets. Hein, on a différentes panoplies d'attaques à notre disposition. Donc c'est bien pour tester bah, votre réseau, hein, éventuellement. Naturellement, ne le faites pas sur le réseau des autres. Et voilà, il nous faut des drivers pour faire fonctionner les adaptateurs. J'ai la chance d'avoir un adaptateur de ma première box qui doit dater de 2004 et incroyable. C'est une des meilleures puces pour faire ce genre d'attaque, malgré qu'elle soit aussi vieille que moi. D'accord? Donc, voilà. On va récupérer. Si vous avez un adaptateur qui est fonctionnel, moi, il a l'air d'être reconnu. C'est ce que vous avez sous les yeux. Maintenant, on va voir si on peut le passer en mode monitoring, puisque bah, je l'ai fait en dual boot, en monitor. C'est plus compliqué. Hein. Franchement, dès qu'on commence à s'attaquer à du Wi-Fi, à faire du SIGINT ou de la guerre électronique, il vaut mieux avoir un Linux propre. C'est-à-dire, je veux dire, pas dans une VM, hein, en dual boot ou en single boot. Donc, une vraie machine physique Linux, ça vous évitera des conflits. Hein. Vouloir sniffer des paquets via une VM, vous avez intérêt à bien connaître les drivers, le noyau Linux. Parce qu'il va falloir faire des petites bidouilles. Il va falloir coder votre propre code pour que éventuellement l'équipement puisse fonctionner dans la VM. Ok? Donc voilà. Après, à terme, c'est bah, craquer le web et le WPA, ce qu'on appelle les clés PSK. Donc cette suite, c'est quoi? Bah, c'est Aircrack NG. C'est une suite. Il y a Airmon NG qui va nous permettre de passer en mode moniteur. C'est l'équivalent d'un mode ingénieur qui permet de faire du débugage, hein, concrètement au niveau des communications Wi-Fi. Mais on peut militariser le mode ingénieur, débugage, moniteur, et la plupart des cartes peuvent le faire, certaines ne peuvent pas le faire. Donc tout va dépendre de votre adaptateur Wi-Fi, de votre carte réseau Wi-Fi. Ensuite, on a Aerodump, hein, qui est utilisé pour sniffer les paquets. Il va faire une attaque de l'homme du milieu en fait. Il va s'intercaler entre les communications. Il va sniffer tous les paquets réseau et on va les mettre dans un fichier PCAP. Hein. PCAP, vous savez, c'est la norme pour dès qu'on sniffe du réseau. Hein. Que ce soit avec Aerodump, avec G-Shark, avec Wireshark. Bref, on a plein d'outils hein, pour faire des sniffs de réseau et voir les informations concernant le réseau. C'est ça qui nous intéresse. Ensuite, on peut injecter des paquets, faire des attaques par injection de paquets avec Airplay. Ensuite, on a Aircrack, hein, qui va nous permettre de craquer des clés web en utilisant ce qu'on appelle une attaque FMS. Alors, FMS, c'est des trois mathématiciens qui ont découvert ce vecteur d'attaque. On a Fleurer, Mantine et Shamir. Hein, ces trois mathématiciens du MIT qui ont trouvé cette attaque qu'on appelle attaque FMS. Ensuite, on a une attaque qu'on appelle PTW, hein, je ne vais pas développer, on verra ça plus tard. On a une attaque par dictionnaire et on également dictionnaire pour casser du WPA, WPA2, PSK. Et si vous vous intéressez au dernier, la dernière norme, WPA3, on a une attaque qui est vieille de 4-5 ans, hein, qui était en
POC, hein, en preuve de concept, mais c'est l'attaque Dragonfly. Hein, Dragonfly, c'est typiquement pour attaquer, en tout cas pour essayer d'affaiblir la crypto qui est utilisée pour pouvoir encore une fois lancer nos attaques. D'accord? Donc le premier truc à faire, c'est avoir une carte Wi-Fi en externe et pouvoir la passer en mode monitor. D'accord? On va voir ça. Donc on va commencer l'attaque. On va mettre notre interface en mode moniteur. Donc sudo Hermann, je vais zoomer pour vous. Sudo Hermann ng start sur la VLAN 0. OK, monitor mode enable. Ensuite, donc on va se faire un petit wconfig histoire de récupérer de l'info. On voit bien. Hein. Donc, je vais attaquer un réseau en 2,4 GHz, hein, à la norme 802.11, et on voit qu'elle est présente. En mode monitor, c'est ça le plus important pour nous. Config. Ça marche. Donc, on a passé notre carte Wi-Fi en mode débogage, hein, qu'on appelle le mode monitor, qui nous permet tout simplement de sniffer les paquets. Hein. Votre carte réseau Wi-Fi, grosso modo, elle a deux modes. Elle a un mode que vous utilisez tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut recevoir et émettre des données, se connecter à un AP, un point d'accès. Ça, c'est le mode que vous connaissez tous. C'est ce qui vous permet de vous connecter au Wi-Fi. OK? Mais il y a un mode caché. Ce mode caché, c'est le mode monitor. À partir du moment où tu la passes en mode monitor, elle ne peut plus se connecter au Wi-Fi. Par contre, là, on rentre dans le monde du débogage réseau, du sniff de paquets, et j'ai même envie de dire un début de ce qu'on appelle le SIGINT, le Signal Intelligence, hein, dans le renseignement, ou la guerre électronique, hein, puisqu'on va pouvoir faire des attaques de brouillage, hein, ce qu'on appelle du jamming. Donc on peut envoyer des paquets par exemple d'IOT, hein, de désauthentification. On a des paquets réseau qui s'appellent MDK3, MDK4 qui peuvent faire le taf. C'est justement ce qu'on va utiliser. Alors vous avez plein de suites, hein, je vous en montrerai quelques-unes pour faire ce type d'attaque. Aujourd'hui on va se concentrer sur le plus classique, hein, c'est du WPA, ultra simple. Moi ce qu'il me faut, c'est le SSID. Hein, c'est grâce à ça que je vais pouvoir récupérer de l'information. D'accord? Donc pour ce faire, on va se lancer AeroDump et on va utiliser toute la suite. Vous allez voir que c'est une attaque séquentielle, étape par étape. D'accord? Donc c'est du bas niveau. Il faudra faire de l'élévation de privilèges. Donc là, c'est en train de scanner le réseau à la recherche de Wi-Fi. Naturellement, je ne fais pas ça dans la nature. Hein. Je suis dans mon laboratoire, comme vous le savez, toujours prendre des précautions, hein, surtout pas attaquer le réseau qui ne vous appartient pas, naturellement. Donc, on va attendre que ma carte. Donc, vous voyez, hein, on fait ce qu'on appelle du channel bunny hopping. Hein. Le hopping, c'est une technique. Alors, en fait, on saute d'un canal à un canal. On a plein de canaux différents et on va pouvoir justement se servir de différents canaux. Typiquement, c'est pour empêcher quoi? Que si tu utilises le même canal que ton voisin, eh ben, les ondes électromagnétiques du voisin perturbent les tiennes. Donc, tu as tout intérêt, vous avez des outils pour faire ça, pour silent channel. Voilà. Et là, on vient d'avoir un premier client qui s'appelle Don't Acme. Donc, on voit le BBSID. OK, et on va pouvoir justement faire le taf, hein. Justement voir tout ça, ce qui se passe, et éventuellement eh ben, commencer notre attaque. Donc, la première étape, c'est moi, je veux une station. Ma station, elle est en WPA. OK, et on va continuer. Donc, on voit, hein, dès qu'on lance Aerodump, on récupère un paquet d'AP, d'access point, avec leur BSSID, leur adresse MAC, leur force, leur mode de chiffrement WPA, WPA2, WPA3, la méthode d'authentification, le nom du point d'accès sans fil, hein, qu'on appelle ESP.
SSID, et on récupère tout ça. Donc on voit que, en tout cas, moi, mon point d'accès, qu'est-ce qu'il fait? Il broadcast, hein, donc il est en train de diffuser sur le channel 1, et il utilise du WPA-PSK, okay, sur le channel 1. Donc on va se focaliser sur lui. Donc maintenant qu'on a l'adresse MAC, hein, on va pouvoir lancer notre commande aerodump. Je vais lui dire aerodump mon interface. Et on va lui préciser le BSSID. Et on va lui faire un tiret. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de sniffer les paquets réseau. Ok? Petit à petit, le nombre de beacons va augmenter. Et plus j'ai de beacons, de balises, hein, plus il y a des chances que je puisse tout simplement sniffer les paquets et récupérer la communication. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est le handshake. Hein, on veut capturer le handshake, c'est-à-dire la poignée de main. Donc, vu qu'on a besoin du handshake pour craquer le mot de passe du point d'accès qu'on a ciblé, maintenant on va lancer AirPlay. Hein. Là, AeroDump, il est en mode analyse. Il est en train de capturer les paquets et essayer de récupérer le handshake. Mais on n'a aucun device, hein, qui est. Soit ils sont tous connectés au point d'accès, soit pour l'instant, il n'y a personne. Donc on peut attendre qu'il y ait quelqu'un qui se connecte, hein, ou on peut essayer tout simplement de déconnecter les utilisateurs qui sont déjà présents sur le point d'accès. Dans ce cas-là, on va faire de la guerre électronique, on va envoyer du brouillage, hein, électromagnétique. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle des paquets de déauthentification. Et en gros, c'est un signal, et plus le signal est fort, plus l'ensemble des périphériques, eh ben, vont accepter, hein, vont toutes automatiquement se déconnecter du point d'accès, c'est-à-dire votre routeur. Donc ça va permettre ensuite d'arrêter le brouillage. Elles vont automatiquement se reconnecter une fois qu'on a arrêté le brouillage électromagnétique. Et du coup, elles se reconnectent au routeur. Et en se reconnectant, ça va réinitialiser le système d'authentification. Donc, on va récupérer toutes les métadonnées, hein, au niveau des paquets qui nous intéressent. Et naturellement, ce qu'on veut, c'est la poignée de main à nouveau entre le périphérique, un téléphone, peu importe, qui se reconnecte automatiquement, et en se reconnectant automatiquement, on va pouvoir voler les secrets au niveau de la cryptographie. C'est ce qu'on appelle le handshake, la poignée de main, hein, entre, par exemple, le smartphone et la box de la maison. On voit le nombre de beacons qui est en train d'augmenter. Il va faire que croître. On voit au niveau de la transmission, hein, le power, l'atténuation, le RxQ. Hein, donc ça, c'est la qualité du signal électromagnétique, ni plus ni moins. Puisqu'on parle d'ondes électromagnétiques et bah, le Wi-Fi fonctionne sur une plage de 2,4 ou de 5 GHz en termes de bande. Donc maintenant, on va avoir une gentille petite personne qui va se connecter. Donc deux types d'attaques, soit vous cherchez à vous connecter, soit on déconnecte les utilisateurs. Donc on voit que dès que la personne se connecte, on a le WPA, on a le handshake. Hein. Sinon, si la personne est déjà connectée, on va lancer notre attaque de DAuth. Donc on va se faire un sudo RPlay, replay, ng, je veux quoi? Du DAuth, 0, A. Le SSID du routeur et l'interface VLAN 0 pour nous. Donc là, on est en train d'envoyer les paquets. Là, on commence la guerre électronique. On fait du brouillage, ni plus ni moins. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, on envoie des paquets des hôtes, des hôtes, des hôtes. Et là, mon téléphone, il capte plus le Wi-Fi. Il cherche à se reconnecter. Hein. Il essaye de faire fonctionner, mais ça mouline le Wi-Fi. Donc pareil, au bout d'un moment, on voit qu'on récupère le handshake. On peut arrêter l'attaque avec un contrôle C. D'accord? Donc là, on a capturé le handshake
Et on voit que bah, tous les équipements qui ont essayé de se reconnecter au point d'accès qui est ciblé. Et là, on voit une cible, hein, le BSSID. On voit qu'il a cherché à se connecter la station. Donc, c'est mon iPhone qui a essayé de se connecter au BBSID de l'AP. Donc, il y a corrélation au niveau des métadonnées. Hein, et je sais que c'est bien le handshake. L'iPhone qui a initialisé le handshake avec le routeur. Donc, on a capturé le WPA. Maintenant, la dernière étape, ça va être de craquer le WPA avec une attaque par dictionnaire. Donc, techniquement, hein, on utilise PWD comme fichier. Hein, c'est pour ça que j'ai fait un tiret PWD tout à l'heure. Et ça me permet d'avoir le handshake qui est sauvé en tant que PWD quelque chose. Donc, je devrais pouvoir récupérer facilement ça, on va voir où se trouve notre fichier et on va lancer une attaque de brute force en fournissant bah, un dictionnaire avec des mots de passe. C'est pour ça qu'on utilise des dictionnaires avec des milliards, de milliards, de milliards de mots. Hein, j'ai des dictionnaires de 50, 60 milliards de mots de passe. Donc ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine, hein, encore une fois, mais c'est pour bien préciser tout ça. Donc, encore une fois, tout va dépendre de votre dictionnaire, tout va dépendre de la puissance du mot de passe qui a été fourni. Hein. Là, vous allez voir que j'ai pris un truc très basique. Hein. Le but, c'est de corréler les deux clés hein, de cryptographie au niveau de PSK, PTK. On a ce qu'on appelle la clé maître et la clé transient. Hein. Donc, ces deux clés, en les corrélant, on peut dériver et trouver tout simplement bah, le mot de passe. D'accord? Donc on a nos fichiers PWD hein, qu'on peut utiliser via Keysmed. On a notre log, surtout on a le cap, hein, PWD01 cap. Pourquoi? Bah parce que je lui ai fait un tiret WPWD. Donc tout commence par PWD. D'accord? Vous mettez ce que vous voulez, c'est juste pour s'en rappeler. Donc je vous disais, maintenant, dernière étape, aircrack, ng, avec le fichier PWD. C'est celui-là qui nous intéresse, la broadlist. On va aller, je vais utiliser Rock You Baby. Okay. Donc il nous le trouve facile, les doigts dans le nez, j'ai envie de dire. Ok, c'est un exemple. Vous l'imaginez bien, mais vous voyez que ça va extrêmement vite. Hein. Là, j'ai 1 million de mots de passe, ça aurait pris 1 heure et demie, sachant que j'ai un PC portable. Avec un bon PC, vous pouvez en 1 heure faire plusieurs millions de mots de passe. Donc en une nuit, vous pouvez faire plusieurs centaines de millions. Tout va dépendre de la config que vous utilisez. Hein, mais encore une fois, quand on fait ce type d'attaque, c'est pas à partir de PC portable. Vous pouvez, mais ça va prendre du temps. Faut être patient, ça peut prendre des semaines. Hein. Généralement, on va utiliser voilà, un PC avec 2-3 processeurs, peut-être 4 processeurs, donc ça ressemblera plus à un serveur déjà que le PC que tu as à la maison, et ça sera 4 processeurs qui auront eux-mêmes 16 ou 32K. Hein, donc on va se retrouver avec 128 cœurs physiques, 256 cœurs logiques, et là ouais, on peut commencer à faire des centaines de millions de calculs à l'heure. Donc en 24 heures, on peut attaquer des milliards de mots de passe, même plus. Donc voilà, voilà comment ça se passe. C'est basique, hein, mot de passe basique, mais très souvent vous oubliez que les gens à la maison, bah, ils aiment pas avoir leur clé avec leur adresse MAC hein, qui dure pendant des heures. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils mettent des mots de passe à la con, ils modifient leur box, et voilà ce qui peut se passer. Bah, tu vois qu'on peut craquer ton mot de passe. Et ça, c'est quoi? C'est Toto, c'est que des minuscules. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lettres. Vous voyez la vitesse que ça a mis? Ça a mis moins d'une seconde pour trouver ça dans le dictionnaire. Donc voilà, je vous laisse réfléchir. On continuera hein, les attaques sur le réseau. Et on développera les techniques, hein, comment ça se passe. Parce que eh ben c'est utile, hein, puis on vous le demandera si jamais vous voulez passer vos certifications. Voilà, je vous dirai à bientôt. Ciao, ciao.